Qu'est-ce que tu peins là? C'est mon mécène, mon psychiatre, mon gardien. On dirait plutôt le docteur Loboto. C'est lui qui t'a enchaîné? Le docteur ne me laissera partir que quand mon traitement sera fini. Alors, pourquoi tu ne finis pas ce tableau pour partir? Pourquoi je n'ai fini... Wow! Tu vois? Parfois, il suffit de... Tu as peint une corrida sur la tête du docteur. Pourquoi une corrida? Hein? Edgar, pourquoi tu... À chaque fois! À chaque fois, c'est pareil! Les matadors, les taureaux, comme je vous méprise, mais mes mains n'y peuvent rien. C'est pourquoi je suis là, retenu par bien plus que ces chaînes. Un prisonnier de l'art. Un prisonnier de l'art. Bon, il faut que je descende. Ça ira? Ça ira. Génial. Et ce n'est pas en étant enchaîné comme ça que j'irai facilement à la salle de bain. Lily. Eh bien, j'ai lu vos examens, jeune fille, et la mauvaise nouvelle est qu'il va falloir vous ôter le cerveau pour l'installer dans un blindé lourd afin qu'il abatte des civils innocents avec son rayon psychique concentré de la mort. Vous êtes déjà raide mort. La bonne nouvelle est que votre mutuelle prendra tout en charge. Alors, on dirait que ça chauffe ici. Non! J'essaie seulement de vous faire brûler à travers ce stupide casque. Quel délicieux méchant petit cerveau vous avez. Comme on les aime. Tenez, rendez-moi service. Dites-moi si cela sent comme votre faim. Je ne sens rien du tout. Saleté. Pour vous, on peut dire que vous êtes bouché, pas vrai? Eh bien, ce rhume ne vous protégera pas toujours, ma petite. Et quand vous serez guérie, vous chanterez un autre air. Ce sera un air en synapse. Qu'est-ce que c'est que tu travailles sur une œuvre abstraite? Joli choix des couleurs. C'est un sacré château de cartes que tu construis là. Oui, mais pas assez haut pour rejoindre le ciel et la libérer de sa prison. Qui est-ce? Je sais seulement qu'elle est belle, parfaite et triste. Toute la journée, elle pleure des pétales de rose. Et je ne peux rien faire pour l'aider, parce que ma création est incomplète et qu'elle ne résistera pas au taureau. Un taureau? El odio. Quelque part en chemin, j'ai dû perdre quelque chose d'important. Mais j'ignore quoi. Ça doit être les dames. Tu veux que j'aille les chercher? Apporte tout ce que tu trouveras. Je dois terminer cette tour. Oui. Ah!
chien, tu vas bien ? Pauvre petit. Un petit coup sur le corps. Je peux peut-être recouvrir ça avec une étiquette. Hey, tu n'aurais pas vu des très grandes cartes à jouer dans le coin ? Maintenant, ça me revient. Une nuit de poker avec les potes. Oh, ces chiens me manquent. Alors, ces cartes, tu sais où elles sont ? Oh oui ! Eh bien, je suis au courant des quatre dames perdues. Mais c'est tout. On ne fait pas grand-chose avec quatre dames. Ce sont exactement celles que je cherche. Où sont-elles ? Laisse tomber. Elles sont gardées par des types pas commodes. Sans même parler d'elles au duo. C'est beaucoup mieux ici, en tournant un tout petit peu la tête vers la gauche. Ouais, tu dis quelles étaient ces cartes déjà ? Laisse tomber. Elles sont gardées par des types pas commodes, sans même parler d'elles au duo. Je crois... Oh, crois-moi, tu le haïras encore plus avec le temps. Comment... Je suis prisonnier de ce stupide taureau. Je ne peux pas me faire encorner, alors je me cache dans cette ruelle comme un chien errant. Ouais, mais je suis un Saint-Bernard, petit. Je devrais être en haute montagne, avec un tonneau de rhum accroché à mon cou, à parcourir et à trouver autre chose à peindre qui sont... Hey. On est coincé, petit. L'art est la seule issue. C'est genre une... Si tu en achètes un, ça pourra t'aider à partir. Ils sont magiques. Ok. Bon... Profite de tout cet art. Bon, hop. Cool. Maintenant, je peux trouver les cartes d'Edgar. Profite de tout cet art. Bon, à plus tard. Ne reste pas dans la rue. Là, il me faut une étiquette de Malkavine. Malkavine.
Dur d'avoir une bonne prise. Combat magnifique à Helena, Nevada. Tigre. Réveille-toi, petit gars. C'est l'heure d'aller se coucher. Je suis réveillé. Bien, parce que c'est l'heure de te coucher, microbe. Mais de quoi tu parles? Tu vas te battre pour ma carte, hein? Eh bien, je cherche certaines cartes. Des microbes, je crois que le marchand de sable va devoir sacrément se pencher pour toi, parce que tu es minuscule et que... D'accord, j'ai compris. Ferme-la et allons-y. Et que je vais la boucler. Mais je serai le seul à profiter du spectacle microscopique de tes essais pour me faire taire. Yeah!
tellement petit que je ne te vois même plus. Tu es tellement petit que je ne te vois même plus. Que je... Bonne nuit, le chat.